petite centaurée à fleurs serrées est une plante rare à l'échelle mondiale. Son statut extrêmement précaire lui a valu d'être inscrite dans le livre rouge de la flore menacée de France, en tant qu'espèce en voie d'extinction mondiale. Elle affectionne tout particulièrement l'habitat appelé gazon pionnier. Ce sont des terrains sablonneux bordant des étangs. On a pu l'observer uniquement au parc Isadia Anglette, où elle y est protégée et comptée. À la limite de la voie d'extinction dans les années 2000, seulement une vingtaine de pieds, on en dénombre aujourd'hui plus de 1000. La petite centaurée est une plante annuelle ou bisannuelle, de 4 à 10 cm de hauteur. Son feuillage est de couleur verte et dépourvu de poils. Ses feuilles basales, plus longues que larges, sont étroites, charnues et disposées en rosette, d'où partent des tiges assez nombreuses. Celles-ci sont étalées puis redressées dans leur partie supérieure, avec deux ou quatre côtés marqués qui portent des feuilles. La floraison a lieu entre juillet et septembre. Elles fleurissent de manière assez étalée dans le temps, et on peut la croire en fin de vie, alors que d'autres fleurs peuvent apparaître quelques jours plus tard. Les fleurs roses presque sessiles sont réunies par 1 à 7, en cymes plus ou moins serrées au sommet des tiges. Le calice vert foncé est à 5 divisions étroitement linéaires et pointues. Il égale le tube de la corolle. La fleur est composée de 5 pétales oblongues, un peu plus courts que le tube de la corolle. Les 5 étamines qui produisent le pollen s'insèrent en haut du tube. Nous sommes à la fin du mois de juillet et certaines fleurs vont déjà se dessécher pour donner un fruit. C'est une capsule ovale qui dépasse un peu le calice. Ce fruit donnera des graines qui seront dispersées par le vent. Mais la station des petites centaurées ne représente qu'une parcelle de seulement une dizaine de mètres carrés au sein du parc Isadia. Malgré l'attention portée par les équipes du parc et le nombre croissant de plantes, certaines menaces persistent. Ainsi, la présence d'espèces invasives, type sénesson en arbre ou chien d'embœuf, nuisent à sa prospérité.